Bonjour, bonjour, je m'appelle Éric Varin, un des initiateurs des Fameuses, désigné pour vous faire découvrir la lauréate des kiff-kiffs de l'entrepreneuse prometteuse 2020. Alors vous le savez, les femmes qui créent des entreprises sont encore minoritaires, elles ne représentent que 27%. Ce prix kiff-kiff les encourage à faire des émules, il reviendra à l'une des entrepreneuses suivantes. On commence avec Laure Bouguin, qui avec Ocaran, Je vous aime en breton, a créé des cosmétiques élaborés à partir de cannabis. Flore Le Lièvre et Le Reflet, son restaurant pas comme les autres, qui emploie en majorité des personnes atteintes de trisomie 21. Sandrine Bender et Alizé Gotardeau ont imaginé toutes les deux Meiko, un compagnon connecté pour aider les enfants asthmatiques à suivre correctement leur traitement. Et enfin, Stéphanie Romanet est créatrice de Embody Medical, une ligne de lingerie post-opératoire, confortable et élégante. Alors nous allons découvrir ensemble la lauréate de ce prix 2020, qui est Flore Le Lièvre. Bonjour, félicitations, bravo pour la création du Reflet qui vous vaut ce prix, un restaurant dont on va beaucoup parler. Peut-être pour commencer, une réaction que vous inspire ce prix. Alors bonjour et déjà merci. Je suis ravie et fière de figurer parmi ces trois femmes, ces trois autres femmes entrepreneurs qui portent des projets juste super et essentiels. Bravo à elles et puis un grand merci aux Fameuses pour ce prix. Alors j'ai noté que vous avez dit spontanément entrepreneur, c'est un débat, on va pas l'entamer aujourd'hui. Je vous propose de regagner une place peut-être un peu plus confortable et on va faire un peu mieux connaissance. Et d'abord, peut-être par l'intermédiaire de cet objet que vous avez amené et que vous allez nous raconter. Alors, cet objet que je vous ai ramené, c'est une assiette pas tout à fait comme les autres. On peut le voir, l'empreinte des mains est ancrée sur le dessous de l'assiette, lui donnant du relief et apportant ainsi une meilleure prise en main et une stabilité pour servir les plats. Et cette assiette, elle a été imaginée et dessinée pour permettre à des personnes porteuses d'une trisomie 21 d'être au mieux assurées en confiance lors du service des plats dans le cadre d'un service en restaurant. Et ce restaurant, c'est le restaurant Le Reflet, un restaurant extraordinaire dont je suis à l'initiative. Alors, on va en parler. Alors, vous dites « on a créé ». En fait, c'est vous qui avez créé cette assiette, puisque au départ, tout est parti de l'architecture d'intérieur, du design, puisque c'est votre premier métier. Et vous êtes devenue restauratrice par accident. Le Reflet, c'est un projet d'études, de fin d'études au départ. Et 5 ans plus tard, vous avez levé 1,5 million, créé une association, une entreprise de 25 personnes, 2 implantations à Nantes et à Paris. Est-ce que vous considérez comme une entrepreneuse ? Alors, comme vous le disiez, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Et Le Reflet, au début, c'était un projet fictif que j'avais imaginé pour obtenir mon diplôme de fin d'études en architecture intérieure. Effectivement, je ne pensais pas du tout que ça prendrait cette ampleur. Entrepreneuse, on va dire, oui, j'ai été portée, je pense, par ce projet et par toutes les personnes qui m'ont encouragée à le développer. Alors, c'est pas quelque chose, je ne me définis pas comme entrepreneur. Mais avec du recul, ben oui, monter cela, alors évidemment pas toute seule, comme je le disais tout à l'heure, une entrepreneur, mais pas par accident. C'est une belle formulation. Alors, c'est souvent comme ça, paraît-il. Hein. Et pourtant, vous avez monté une vraie entreprise, même une double entreprise désormais. Et vous m'avez dit aussi que vous ne faites pas ça pour l'argent. Et juste pour en donner un exemple, la masse salariale chez vous, c'est 70% du budget, c'est-à-dire pratiquement le double de la norme de la restauration. Alors, si ce n'est pas l'argent et qu'il est difficilement envisageable de dégager des gros résultats avec de telles charges, c'est quoi votre carburant ? L'objectif premier du projet du Reflet, c'était de pouvoir créer de l'emploi pour des personnes porteuses d'une trisomie 21 en milieu ordinaire. Parce que quand on est trisomique, trouver un job dans une entreprise classique, c'est super compliqué. Il y en a très peu d'ailleurs
qui accèdent à un emploi ordinaire. Donc il y a ce côté opportunité d'emploi avec un salaire ordinaire. Et puis il y a aussi l'occasion de créer la rencontre entre ces personnes que finalement on voit encore peu et le reste de la société. Et du coup l'idée vraiment du projet du restaurant à la base, c'était à la fois de pouvoir créer de l'emploi en service et en cuisine pour des personnes éloignées de l'emploi, et puis également pouvoir créer une rencontre entre notre équipe extraordinaire et les clients pour montrer tout simplement que ils sont capables de travailler, qu'on peut faire tourner un resto avec une majorité de salariés en situation de handicap mental, que ça peut fonctionner et même très bien. Et lever un peu les barrières et les préjugés qu'on peut avoir sur la différence au sens large. Alors l'idée est partie de quoi ? Qu'est-ce qui vous a au départ donné cette impulsion ? Alors, moi j'ai un de mes grands frères, Cédric, qui est porteur d'une trisomie 21, 43 ans. Et donc évidemment quand on porte des projets de ce type-là, il y a souvent une histoire derrière. Et quand on grandit avec un frère porteur d'une trisomie 21, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire en termes d'inclusion, que ce soit dans le milieu professionnel ou tout simplement la vie sociale. On voit qu'il y a plein de manques. Et donc, j'ai eu envie de travailler sur cette thématique dans le cadre de mon diplôme de fin d'études, donc de mettre l'architecture d'intérieur et le design d'objets au service de l'inclusion de personnes comme mon frère pour leur permettre de travailler comme tout le monde. Alors, je veux bien qu'on en parle deux minutes, et notamment pour savoir ce que concrètement vous avez dû travailler dans votre restaurant pour permettre l'inclusion de ces personnes dont on parle là, justement. Alors, on a réfléchi à plein de choses. Il y a plein de choses qui ont été mises en place au reflet. Alors, c'est pas forcément des très grosses adaptations, mais c'est des petites astuces. Par exemple, le système de prise de commande est adapté au reflet, puisqu'on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de lecture, d'écriture ou de mémorisation. Donc, en fait, on a développé un système qui est intégré à la table et donc qui présente les entrées, les plats et les desserts avec des numéros. Et le client a une grille, en fait, pour tamponner ses choix. Donc c'est le client en fait qui note sa commande et qui la transmet au serveur. Donc ça crée un moment ludique autour de la table. C'est un système qui plaît beaucoup et en plus de ça, ça permet une bonne transmission des infos en cuisine. On a ça, on a donc les assiettes dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que l'appréhension des personnes porteuses d'une trisomie 21 n'est pas la même que tout le monde. Il peut y avoir des difficultés de motricité fine, donc raison pour laquelle on a développé ces assiettes. On a aussi, on travaille beaucoup avec des supports visuels, des pictogrammes qu'on développe en fait pour leur permettre d'acquérir de plus en plus d'autonomie et de compétences au sein des restaurants. Et puis on a aussi une salle de repos pour, mais ça devrait être obligatoire dans toutes les entreprises, pour permettre de souffler quand un moment c'est trop stressant. Et puis, on réfléchit aussi à tout le fonctionnement du restaurant, puisque les rythmes sont adaptés. On ferme, par exemple, 8 semaines dans l'année, donc à chaque vacances scolaires, une semaine, et 4 l'été, pour pouvoir permettre à tout le monde de se reposer, puisqu'il y a une fatigabilité qui est quand même plus importante chez les personnes porteuses d'une trisomie 21. Et leur contrat de travail, donc ils sont tous en CDI, mais c'est des temps partiels. Donc la plupart travaillent 20 heures par semaine, par tranche de 5 heures. Quand ils viennent travailler le midi, ils ne reviennent pas travailler le soir. Toujours dans cette idée d'éviter la fatigabilité. Et puis, la carte du resto aussi est pensée. Donc, la chef définit les recettes pour éviter au maximum le coup de feu au moment du service. Donc, ça passe par l'élaboration de... Donc, beaucoup de préparation en amont, des plats mijotés, la cuisson à basse température, qui évite vraiment au maximum le coup de feu et les situations de stress au moment de l'envoi des plats. Alors, vous avez dit la chef, je saisis ça au passage. Mmh. Donc, c'est une chef qui pilote au destiné de la cuisine. C'est un choix ou c'est un hasard ? Alors, à Nantes comme à Paris, c'est une chef aux commandes des cuisines. Ce n'est pas tout à fait un hasard parce que pour nous, c'était important d'avoir cette complémentarité. On a deux encadrants en fait dans chaque établissement, donc un en salle et un en cuisine. Et il se trouve que donc dans les deux restaurants, on a un homme et une femme donc à la tête des équipes. Et cette complémentarité, elle est intéressante et c'est vraiment quelque chose qu'on recherchait. Et dans le personnel, la répartition entre les sexes, elle se fait comment ? Alors à Nantes, on a plus de femmes que d'hommes et à Paris, on a plus d'hommes que de femmes. Donc c'est le fruit du hasard, parce que comment vous avez effectué le recrutement ?
Alors, ça a été vraiment le fruit du hasard, pour le coup, parce qu'on n'a pas fait un appel à candidature comme d'autres restaurants auraient pu faire pour notre personnel extraordinaire. En fait, on a tout simplement un peu communiqué dans nos réseaux avant les deux ouvertures pour expliquer le projet. Et souvent, c'est les parents, du coup, qui nous appelaient en disant « Voilà, mon fils ou ma fille est intéressé, on se rencontre ». On avait 8 places de stage au début, donc on a pris tout simplement les 8 premiers pour une période d'un mois de stage avant l'ouverture des restaurants. Et à l'issue de ce mois-là, en fait, on a fait un peu le bilan avec chacun. Et puis, donc il y en a qui ont décidé de pas rester. Les autres qui sont restés donc sont toujours les mêmes aujourd'hui dans les deux établissements. Et voilà, donc on s'est retrouvé avec ces deux équipes plus ou moins mixtes. Un peu avec le fruit du hasard. Et avec un épanouissement total dans cette nouvelle activité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ben, pour eux, alors pour tous, c'est leur premier job, leur premier CDI en milieu ordinaire. Donc c'est un gros changement dans leur vie. Certains sortaient de l'école, d'autres étaient sans activité depuis 3-4 ans, sans solution. Donc, du jour au lendemain, ils se retrouvent à travailler, à venir travailler tous les jours, à avoir des collègues qui sont d'ailleurs un peu plus... Enfin, voilà, le reflet, je pense que c'est au-delà des collègues, une famille. D'être en plus complètement intégré dans le centre-ville, parce que les deux restos sont vraiment au cœur de la ville, que ce soit à Nantes, dans le quartier de Cré, à Paris, dans le quartier du Marais, on est vraiment hyper centre. Donc, au-delà d'un job, c'est vraiment une inclusion globale. Et puis, on leur donne l'occasion, en fait, de montrer de quoi ils sont capables. Et ils nous le rendent 1000 fois. Donc, ils sont super, super motivés. À Nantes, on a la même équipe depuis l'ouverture. Donc, ça fait 3 ans et demi. Donc, on a quand même un vrai recul. Et 3 ans et demi après, ils sont toujours aussi motivés, contents de venir, contents d'accueillir les clients, de préparer les plats. Et c'est super de les voir. Tous les jours, ils arrivent avec le sourire. Et ça, je pense que ce n'est pas partout pareil. Donc, on est chanceux. Alors, ils doivent être un peu en manque en ce moment. Je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion, mais les 4 nommés qui, avec vous, étaient susceptibles de remporter ce prix sont tous dans le domaine du soin, de l'attention à l'autre, du care, comme on en parle beaucoup en ce moment. Alors, c'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être aussi un stéréotype. Ça vous inspire quoi ? Alors, c'était des projets que moi, je connaissais déjà d'avant et que je trouve super, que j'admire beaucoup. Alors, oui, ça peut paraître stéréotypé, mais c'est des vraies solutions qui sont apportées, et comme je disais tout à l'heure, c'est des projets qui sont essentiels. Peut-être que les femmes ont plus de sensibilité à développer effectivement des projets de ce type-là, tournés vers l'autre et avec beaucoup de sens humain. Alors, c'est votre cas à vous, et puisqu'on est sur ce terrain-là, je voudrais vous interroger sur le fait d'être une jeune femme dans cette aventure entrepreneuriale. Est-ce que pour vous, ça a été un plus, un moins, ou est-ce que c'est neutre ? Alors, d'instinct, je dirais que ça a été... le fait d'être jeune, d'être une femme, en portant l'aventure du reflet, d'instinct, je dirais que ça a été plus un atout, parce que... alors, je ne sais pas si c'est le projet, le contexte, mais il y a une capacité, le reflet a une capacité à fédérer les énergies autour de lui. Et du coup, très vite, même si c'est moi qui ai porté le projet, j'ai été super bien entourée et avec plein de personnes qui ont fait de ce projet leur projet. Donc, et au fur et à mesure, j'entendais pas mal le fait d'être jeune, d'être une femme, ça a encouragé en fait les personnes à me suivre dans l'aventure. Donc là-dessus, je dirais que c'était plus un atout. Et après, à chaque fois qu'on a eu des situations qui étaient difficiles, je me suis toujours dit que finalement, on avait réussi à les surpasser. Mais en y réfléchissant un petit peu, je me rends compte qu'il y a pas mal de situations compliquées où si on les a surpassées, c'est parce que j'étais pas toute seule et que souvent j'étais accompagnée par des personnes compétentes, avec plus d'expérience. Et du coup, ça apportait une certaine crédibilité. Et je pense que sans ça, toute seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est votre...
statut de jeune, peut-être en acquisition d'expérience, qui fait que vous vous considérez comme manquant de légitimité. Je ne sais plus quel mot vous avez utilisé. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur la photographie des gens qui vous ont aidé justement dans ce parcours. Quand vous vous les représentez comme ça, dans une espèce de trombinoscope, où sont les hommes, où sont les femmes? Et à quoi les uns et les autres vous ont été utiles? Alors, les hommes vont être... Alors, il y a pas mal de chefs d'entreprise dans les associés du projet. Donc, on a Antoine, l'expert comptable, Louis-Georges, l'avocat. Donc, c'est vraiment les deux premières personnes qui sont lancées dans l'aventure, en fait, que j'ai rencontrées autour du projet du Reflet, qui se sont lancées avec moi dans cette aventure et qui sont aujourd'hui hyper présents. Et puis au niveau des femmes, on a Clotilde donc qui elle est sur la communication et qui accompagne bénévolement le projet depuis le début également. Et puis Sophie et Sébastien qui ont été les premiers à croire au projet et à dire ok. On va y aller ensemble et on va te permettre d'aller plus loin dans ce projet. Donc un chef d'entreprise et puis Sophie donc qui elle aujourd'hui est hyper impliquée dans le projet parisien également. Donc en fait il y a sur le noyau dur des personnes qui m'accompagnent encore aujourd'hui au quotidien, il y a quand même une certaine mixité. Alors, je vous amène un peu sur ce terrain-là, parce que quand on a préparé cet entretien, spontanément, vous m'avez dit que les hommes étaient souvent l'interface avec l'argent. Et l'argent, dans la situation de la création d'une entreprise, c'est forcément le nerf de la guerre. Est-ce que vous confirmez cette intuition que vous avez eue quand on en a parlé spontanément? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est vrai que les hommes, du coup, qui sont à mes côtés dans cette aventure, sont associés directement à l'aspect financier, juridique, donc levée de fonds, business plan, gestion économique et tout ça. Et les femmes, plus sur la communication, l'humain, le recrutement... Et c'est vrai que c'est assez... je m'étais jamais vraiment posé la question jusqu'à ce qu'on en parle ensemble avant l'entretien. Mais c'est vraiment scindé. Donc et à chaque fois qu'on a eu... ou des moments où je me sentais moins légitime, et bien financièrement... c'est le lapsus. Mmh. Finalement, c'est dans des situations où il y avait l'aspect financier qui était en jeu. Donc... il y a certainement une part du fait que je sois jeune et donc j'ai débarqué. Enfin, moi, je suis architecte d'intérieur à la base, donc pas du tout prédestinée à monter un projet de ce type-là. Donc, de par mon manque d'expérience, je me sens peut-être pas assez compétente. Mais c'est vrai que souvent, encore aujourd'hui, d'avoir une figure d'expérience et masculine, ça apporte beaucoup de crédibilité. Alors oui, c'est une des questions qu'on devait aborder dans le cadre du printemps des fameuses. On y reviendra, on ne peut pas y passer tout l'entretien parce que ce n'est quand même pas l'essentiel. Mais là aussi, ça représente un certain nombre de schémas auxquels on est habitué. On a l'habitude aussi, dans la série de ces entretiens, de poser la question du confinement, puisqu'on en sort à peine. Alors pour vous, qui êtes dans la restauration, ça a un impact tout particulier. Mais est-ce que ces 2 mois et demi presque qu'on vient de passer sur la question de l'égalité femmes-hommes vous ont inspiré quelque chose de particulier ? Alors effectivement, ça a été une période, mais je pense que pour tout le monde, hein, une période qui est compliquée. On est encore dans le flou, bien sûr, sur la partie restauration, mais aussi sur la partie pour nos salariés extraordinaires, parce que dit plus vulnérable. Donc, pour nous, le confinement est encore pas tout à fait terminé. Et c'est pas pour autant qu'on s'y complaît, parce que tout le monde vraiment a hâte de pouvoir retourner travailler, réaccueillir des clients et reprendre un petit peu une vie normale. Et après, sur la partie confinement et sur ce que ça
peut révéler. Évidemment, il y a beaucoup de réflexions sur justement les inégalités, alors que ce soit pour les personnes en situation de handicap qui vivent du coup un double confinement et d'autres types de différences, et les inégalités femmes-hommes. On se rend compte que toutes les personnes qui ont été, beaucoup de personnes qui ont été envoyées au front pendant ce confinement et qui ont tous les jours été travaillées parce que c'est des métiers qui sont essentiels, sont beaucoup représentées par des femmes. Et aujourd'hui, c'est des métiers qui sont encore peu valorisés, bien qu'essentiels. Donc effectivement, le confinement, ça me permet de mettre, comme toute crise, la loupe sur les inégalités qu'il existe encore aujourd'hui, et ça nous montre qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, et j'espère que comme de toute crise, on pourra en sortir des leçons et des choses qui sont positives. Alors on verra, et à propos de sortie, on a aussi une question extérieure qu'on demande à quelqu'un de vous poser. En l'occurrence, il s'agit là de deux personnes, Dorothée Barthes et Clotilde Mazera, qui étaient à votre place l'année dernière avec ce prix et qui ont une question à vous poser. Alors si vous voulez, on va regarder ensemble et sur les images qui sont derrière vous. Salut Flore, déjà, toutes nos félicitations, bravo. C'est taré. Trop contente que ce soit toi. On avait donc une question à te poser, c'est comment tu fais dans ta vie d'entrepreneur pour décompresser quand t'as des grosses journées ou des gros coups de stress? Ouais, ça nous intéresse pas mal, à titre perso. Et la deuxième question, c'est quand est-ce que le resto ouvre à nouveau? Pour qu'on puisse aller boire un verre ensemble et qu'on vienne manger chez toi. Ouais, voilà. Et quand est-ce qu'on boit des coups ensemble pour fêter ça? À bientôt. Salut. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, du coup, la réponse à leur question. Alors, la première, comment je fais pour décompresser? J'essaye de plus en plus de faire des pauses et de m'accorder du temps pour moi, pour faire du sport, pour sortir, pour décompresser, parce que c'est effectivement pas évident, surtout après les derniers mois qu'on a vécu avec l'ouverture du reflet de Paris, les allers-retours et tout ça. Mais j'ai la chance d'avoir une grande capacité à couper quand j'ai le temps de couper. Et après, pendant toutes ces années et les différentes phases plus ou moins rythmées qu'on a eues, j'ai toujours réussi à garder... du temps pour sortir, pour voir mes amis. J'ai la chance d'être très bien entourée et du coup, ça me permet de décompresser. Même si c'est sur des courtes périodes, j'arrive à me vider la tête. Alors, ça fait deux fois que vous dites que vous êtes bien entourée. Donc, vous travaillez collectif. Mm. La deuxième question. Quand est-ce que le restaurant réouvre? Alors ça, c'est une excellente question. On espère réouvrir le reflet de Nantes donc à partir du 2 juin et on espère que celui de Paris pourra suivre très rapidement et puis on a hâte nous aussi de pouvoir vous accueillir et on pourra aussi boire des coups en terrasse parce qu'on va justement à Nantes étendre notre offre terrasse pour pouvoir accueillir les clients et pour le déjeuner et pour le dîner mais aussi entre les deux le matin pour le petit-déj, l'après-midi pour les pâtisseries, salon de thé pour l'apéro et puis ensuite pour le dîner, donc on a hâte de pouvoir vous retrouver et puis moi aussi j'ai hâte de pouvoir trinquer avec vous. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais Clotilde et Dorothée ont créé Joe, qui est une entreprise qui propose des protections menstruelles bio, encore dans le Caire. On a une deuxième question extérieure pour vous. Elle est posée par Pete Stone, qui devait intervenir au Printemps des Fameuses. Il est spécialiste de ces problématiques d'inclusion. Il en a créé une activité professionnelle. Et donc, on écoute aussi sa question à Pete. Bonjour Flore, j'adore le concept de votre restaurant, je trouve ça vraiment super. Et j'ai une question assez simple pour vous. Comment est-ce que les gens réagissent quand ils arrivent au restaurant et ils se rendent compte que les personnes qui leur servent, ce sont des personnes trisomiques? Merci et je vous souhaite beaucoup de succès au restaurant. Au revoir. Merci beaucoup. quand on a fait les ouvertures des restos, les premiers clients qui viennent, la plupart c'était des personnes qui avaient entendu parler du projet. Donc il n'y avait pas de surprise sur
où est-ce qu'on met les pieds. Mais petit à petit, en fait, on a eu des clients de passage ou des clients qui rentraient dans le restaurant parce que le menu avait l'air sympa. Et à chaque fois, la magie opère. Parce qu'on a des serveurs qui ont cette incroyable capacité à faire s'envoler tous les préjugés. Donc même si on vient avec une appréhension, parce que quand on ne connaît pas la différence, qu'on n'a jamais côtoyé de personnes en situation de handicap mental, c'est normal de se poser des questions, de ne pas trop savoir comment est-ce qu'il faut se comporter, d'avoir une appréhension. Et en fait, à partir du moment où on passe la porte du resto et qu'on a un des serveurs qui vient nous dire bonjour, il y a toujours un mot, toujours une petite attention qui fait qu'en deux secondes, tout s'envole et qu'on se sent bien et qu'on a envie de rester un bon moment à déguster les plats. Et en plus de ça, même si au début, comme je le disais, les clients venaient pour le projet, aujourd'hui, les deux restos ont réussi à se faire reconnaître comme restaurant de qualité où, au-delà du projet social, on vient parce qu'on y mange bien. Et ça, c'était hyper important. Parce que un resto, si c'est pas bon et que le service se passe pas bien, on vient une fois si on soutient le projet, aussi social qu'il soit, mais on revient pas ensuite. Donc ça, c'était le challenge des équipes, de vraiment pouvoir montrer qu'on peut être extraordinaire et proposer un service vraiment de qualité et challenge relevé largement par nos super équipes au quotidien. Dans ce restaurant extraordinaire, c'est ça, Baseline. Mmh. Alors, on a compris pourquoi vous l'appeliez comme ça. Et vous-même, vous vous trouvez ordinaire ou extraordinaire ? Par rapport à eux, ordinaire. Parce que j'ai pas le petit truc en plus. On va dire que les personnes qui ont une trisomie 21, pour beaucoup, quand même, il y a cette absence de filtre, de calcul, de spontanéité. Et ça, c'est une vraie force. Et c'est quelque chose qu'ils ont en plus par rapport à moi et puis à beaucoup d'autres personnes. Alors, vous avez sans doute aussi beaucoup de modestie, puisque figurez-vous qu'on a entrepris une enquête de moralité, on a passé des coups de téléphone autour de vous pour savoir un peu ce que vos proches et les gens avec lesquels vous travaillez disaient de vous. Et tous témoignent de quelqu'un qui a un leadership assez exceptionnel, qui a un effet d'entraînement, un engagement, un humanisme rare. Est-ce que ça définit un peu l'entrepreneuse ? Et puis je vais aller plus loin, comme ça je vous laisse un peu réfléchir, puisque vous m'avez aussi caché que vous avez créé un MOOC, puisque vous étiez souvent interrogé sur votre projet, donc plutôt que d'y répondre, vous avez créé un MOOC. Vous avez reçu une ministre, Sophie Cluzel, accompagnée de Brigitte Macron. Vous avez vos entrées à l'Élysée avec Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée, qui est aussi le parrain de vos restaurants. C'est quand même amusant que vous ne m'ayez pas du tout parlé de ça. Peut-être parce que... Alors, c'est sûr, c'est génial. On est super bien soutenus, accompagnés. On a vécu des choses incroyables au Reflet et on continue à en vivre et on rencontre des personnes juste exceptionnelles. Et je pense à Guillaume Gomez, effectivement, qui nous soutient dans cette aventure depuis le début. Mais quand on parle du Reflet, finalement, on parle des personnes qui travaillent déjà, parce que c'est ça en fait la base du projet du Reflet. Et puis on parle du sujet principal qui est l'inclusion. Et nous, notre objectif, mais mon objectif à moi, c'est vraiment de permettre cette inclusion et de donner envie en fait à d'autres de se lancer dans des aventures similaires. Donc vous parliez du MOOC, c'était vraiment l'idée en fait de pouvoir. Le but, c'est pas d'ouvrir une chaîne de restaurants. Mais c'est vraiment de pérenniser ce qu'on a mis en place et puis d'aider d'autres personnes en fait à se lancer dans des aventures similaires pour qu'il y ait un essaimage qui soit naturel et puis que demain l'inclusion ne soit plus un sujet. Eh bien, écoutez, peut-être que ce prix, amplement mérité, on l'aura compris, vous permettra aussi d'essaimer. Alors, on a parlé du parrain Guillaume Gomez. Si on vous demandait à vous de marrainer quelqu'un, une femme qui mériterait d'être connue, vous pensez à qui ? Alors, je penserais à Céline Mingham, qui est une chef et chef cuisine.
que j'ai rencontrée il y a quelques années avec ma casquette d'archi d'intérieur, parce qu'elle venait de débarquer à Nantes. Alors, elle avait déjà un restaurant sur Arles et elle avait un projet de restaurant sur Nantes. Donc, on a bossé ensemble sur son projet archi. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une amie. Et elle est même venue travailler pendant quelques mois au restaurant du Reflet de Nantes, où elle a été super et où elle s'est super bien intégrée au sein des équipes. Et donc, elle a aujourd'hui un restaurant qui s'appelle L'Ours à Nantes, qui est super. Donc, c'est une chef de talent. Je vous conseille d'aller la voir. Et elle est vraiment brillante, tant sur le plan professionnel qu'humain. C'est une femme qui est engagée, qui a plein de belles valeurs et que je respecte beaucoup. Eh bien, on ira faire connaissance avec elle de votre part, si vous voulez bien. Pour terminer, on vous a demandé aussi de venir avec une photo, un objet, quelque chose qui vous raconte un peu. Alors, on peut décrire. Vous êtes venu avec une photo. Vous pouvez nous la décrire et dire pourquoi vous l'avez choisie. Alors, cette photo, c'est la première fois où je pitchais le projet du Reflet. Donc, c'était en 2015. J'avais passé mon diplôme de fin d'études 8 mois avant, à peu près. Et donc, j'avais participé à l'école Audencia à un festival qui s'appelait Draft & Craft, en partenariat avec les élèves du master Design et Communication. Et du coup, pendant une semaine, en fait, avec un petit groupe d'élèves, donc on travaillait sur la question du reflet et plus particulièrement sur comment est-ce qu'on prend une commande quand on ne sait pas forcément lire et écrire. Et donc, à l'issue de cette semaine-là, je pitchais devant un jury de professionnels, donc dans un grand amphi. C'était la première fois, c'était hyper stressant, moi, j'avais jamais fait ça. Mais finalement, ça a marqué un peu le point de départ de cette aventure d'entrepreneuse prometteuse. Et on le voit bien, tout a commencé ici. Alors, j'y vois une anomalie sur cette photo. Je veux bien qu'on la fasse réapparaître à l'écran. Je ne sais pas si on voit la même. Mm-hmm. Vous voyez à quoi je fais allusion ou pas? Le jury. Vous aviez remarqué ça? Non, effectivement. Il est constitué de 100% d'hommes, ce qui est assez habituel aussi, en particulier dans ces pitchs de start-up. Encore une fois, félicitations. Il vous reste une chose à faire, c'est peut-être vous lever, aller vers ce grand écran qui est derrière vous et choisir parmi ce carrousel de musiciennes engagées le morceau avec lequel vous voudriez terminer.